Préparation de l'amanite des Césars, fraîchement cueillie ce matin. Donc je l'ai coupée en fines lamelles de 2 à 3 mm sous forme d'un carpaccio que je présente ici dans mon assiette. Alors l'amanite des Césars est un champignon qui est absolument d'une délicatesse inégalée. Son goût est tout simplement onctueux, boisé, d'une finesse incroyable. Donc je vous décourage de cuire ce champignon, de le passer à la poêle ou toute autre forme de cuisson. Mangez-le cru avec un filet d'huile d'olive et un filet de citron. Voilà, c'est ici, je pense, le meilleur champignon du monde, peut-être un des plus rares aussi. La légende veut que celui qui trouvait ce champignon devait l'amener à César au risque de se voir